Salut monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Oui, bien sûr, je m'appelle Greg Germain, je suis originaire de Guadeloupe, je suis donc français. Je suis réalisateur et producteur. Pouvez-vous nous parler de votre approche? Comment est-ce que vous avez fait pour entrer en contact avec le cinéma? Il y a rares sont eux qui sont venus à vous. Avez-vous entendu parler bien avant? Comment s'est fait la magie qui nous vaut votre présence? Alors, bien sûr, j'avais entendu parler du Yara sans pour autant le connaître, parce que ça n'est pas à vous que je vais dire qu'en Occident, et singulièrement en France, on a peu de films africains racontant des histoires africaines. Mais lorsque Madame Mouette, la présidente, Sylvie, m'a appelé cet été pour me dire après des mois que je deviens président du jury de la 8e édition du Yara, qui est un festival qui est surtout destiné aux films, aux premiers films de réalisateurs, j'ai tout de suite répondu présent. Je n'ai jamais eu la chance de faire des films en Afrique. J'ai fait des films et des séries télévisées en Europe, particulièrement en France, évidemment, c'est pas très bien. J'ai tout de suite répondu oui parce que je me dis si je peux mettre ma petite expérience au service de mes compatriotes africains. Pas perdu mon temps. Et je crois que les colloques et les masterclass que je vais faire tout au long de cette semaine, tout en assurant la présidence du jury et en regardant les films qui sont en compétition, je vais vraiment m'appliquer et m'attacher à rencontrer un maximum de monde pour pouvoir leur dire comment je vois la chose. Parce que faire du cinéma, ça n'est pas anodin. On pourra toujours en parler. Tout le monde dit, oui, c'est vrai, le cinéma est une industrie. Qu'est-ce que ça veut dire être une industrie? Si simple que ça. Je dis toujours, le premier ouvrier de cette industrie, c'est celui qui écrit, l'artisan qui écrit l'histoire. Et le premier outil, je vais aller même plus loin, c'est une boîte de livres. Donc, il faut commencer par le commencement. Évidemment, le cinéma, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. C'est une industrie, on l'a dit, et si les États ne soutiennent pas cette industrie, c'est parce qu'ils ne comprennent peut-être pas, nos États africains, l'importance que peut avoir le cinéma et la culture. On ne va pas se tromper. La plus grosse industrie américaine, c'est le cinéma américain. On va me dire, mais attends, comment c'est possible? Des films, des acteurs. Oui, parce que le monde entier connaît le cinéma américain, et le monde entier a envie de boire du Coca-Cola, a envie de fumer des Pall Mall, a envie d'habiter des gratte-ciels, a envie de conduire de belles voitures, a envie de connaître des histoires. Je crois que ce qu'il nous faut aussi, c'est que nous essayons de créer nos propres histoires. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Si les Américains, les Français, les Occidentaux d'une façon générale, inondent le monde de leur cinéma, c'est parce qu'ils ont envie de développer leurs industries vers ces gens-là. Leur voiture, leur façon de vivre, leur façon de manger, leur façon de boire. C'est à nous aussi de faire nos histoires pour qu'on puisse reconnaître et, je veux dire, venir visiter nos pays. Le Cameroun a des richesses extraordinaires en ce qui concerne la nature même. Je sais qu'il y a un parc national, il y a des histoires, des cascades, je sais qu'il y a des arbres et des mers. Tout ça, on ne les connaît pas. Alors si on arrivait à faire des films, bon, on ne va pas faire un film sur la forêt camerounaise, mais on peut faire un film qui se déroule en forêt. Et il y a des histoires qui nous ressemblent et qui nous appartiennent. Et à partir du moment où une histoire est bien racontée, elle devient universelle. Et tout le monde peut la regarder, et tout le monde peut la voir. L'autre question qui vient à l'esprit immédiatement, ce
sont les infrastructures. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pour faire le cinéma qu'on connaît, parce qu'on y viendra pour l'autre, est-ce qu'il y a les infrastructures suffisantes ou nécessaires? Non. Visiblement, j'ai demandé combien il y avait de salles de cinéma à Yaoundé, on m'a dit qu'il n'y en a pas. Je n'arrive pas à comprendre que le peuple camerounais qui aime tant le cinéma ne peut même pas aller voir un film chez lui. Mais il ne faut pas se tromper, hein. C'est pas qu'au Cameroun. C'est aussi dans la Caraïbe où je viens, en Jamaïque, c'est aussi en Trinidad, c'est aussi en Amérique du Sud. Pas tous les grands pays, les grands pays de cinéma, le Brésil, par exemple, a construit ses propres salles. Il y a des films brésiliens. Et il n'y a pas que le cinéma occidental, ce qui signifie qu'un autre cinéma peut exister. Il y a le cinéma indien, c'est le plus grand cinéma du monde. C'est celui qui a la plus grande production cinématographique, c'est la production cinématographique indienne. Il y a du cinéma arabe, l'Égypte fait beaucoup de cinéma, et le cinéma. Pourquoi nous n'arrivons pas, nous autres Africains, à raconter nos histoires en laissant les gens se servir de nous, se servir de nos histoires pour pouvoir mieux nous dominer. Donc c'est la raison pour laquelle participer à un festival comme celui-là est très intéressant pour lutter contre ce tsunami d'images qui nous arrive d'Occident et qui essaie de nous faire devenir des Occidentaux. C'est pas que ça soit pas bien de devenir un Occidentaux, mais c'est mieux d'être un Africain. On est les premiers fils du Nord. Et nous n'arrivons pas à trouver les choses. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des histoires de Hollywood, James Bond, Black Panther, etc., qui exigent des moyens colossaux. Colossaux, c'est qu'on fait de l'argent et que visiblement les pays africains n'ont pas. Je répète encore, il n'y a même pas les infrastructures. Il n'y a même pas les gens qui aujourd'hui peuvent écrire une histoire et savoir que cette histoire ne sera pas copiée, soit par un compatriote, soit par quelqu'un qui arrive là, qui a regardé ça, qui a pris cette histoire et qui va la faire. Je crois que là aussi, peut-être que justement, c'est ce qui est intéressant dans ce festival, le cinéma face au numérique. Regarde, vous êtes en train de me filmer avec un iPad pour une chaîne qui va sur les réseaux sociaux, et ce petit film que vous faites, cette petite interview que vous faites, va peut-être être vu par des milliers de personnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons être capables, puisque nous n'avons pas l'argent suffisant pour nous faire des grandes productions hollywoodiennes, nous devons être capables aujourd'hui d'écrire nos histoires et de les filmer par le numérique. C'est comme ça, c'est probablement comme ça, c'est notre chance. Le numérique, c'est la chance de l'Afrique de pouvoir dire ses histoires. Parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. Aujourd'hui, il y a tout un tas de majors, justement, sur Internet. Netflix, Amazon, Apple, alors, il y a Disney, probablement Warner va arriver aussi. Donc on sait que tous les majors qui s'intéressent à Internet vont vouloir raconter des histoires. Non pas parce que ça leur plaît, mais parce qu'ils savent qu'on raconte des histoires africaines, on peut intéresser les Africains et on peut leur vendre de la publicité. L'histoire est là. Donc à partir du moment où quelqu'un va arriver à émerger, va faire un film avec deux iPhones, bien monté, bien expliqué, bien intéressant, pour que toute l'histoire devienne universelle, on sait désormais que cette personne-là est dans les jours Hollywood, ou le CNC, ou Pathé en France, ou Gaumont en France, peuvent appeler cette personne et lui dire « Est-ce que vous avez une histoire ?» On est lundi à produire votre histoire. Je crois que nous sommes des petits pays. Et là, on n'est pas grand pays. Je ne sais pas combien de fois, avec une grande personne. Mais en termes le cinéma, en ce qui concerne le cinéma, c'est cette industrie? Oui. Comme je le dis, le Cameroun est un petit pays, mais ce petit pays, cinématographiquement parlant, peut, avec les histoires que vous avez développées et avec les moyens qui sont à sa disposition aujourd'hui, les moyens numériques, il peut intéresser les gens. Voilà. Je pourrais évidemment parler encore longtemps de la façon de. Je crois qu'il y a aussi. Il faut s'organiser. Je disais ça tout à l'heure et je le répéterai tout au long de la semaine. Il faut que ceux qui sont cinéastes, même s'ils n'ont jamais fait de film, mais ils veulent être cinéastes. Ceux qui sont acteurs, même s'ils n'ont jamais joué, mais ils veulent être acteurs.
ceux qui veulent être producteurs, mais ils ne veulent pas être producteurs. Il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'assoient, qu'ils disent voilà ce qu'il nous faut pour notre pays et qu'ils sollicitent les pouvoirs publics. C'est comme ça qu'on fait. Je répète encore, ça, c'est tout fragile. Un enfant de 4 ans peut vous casser un doigt. Mais ça, parce que ce que peu les gens ne savent pas, c'est que les grandes maisons de production ont commencé tout petit. Et lorsqu'on écoute l'histoire de la Warner Bros, c'était des hommes simples qui ont mis un peu de moyens pour commencer avec leur société de cinéma. Aujourd'hui, c'est une très grande chose. Les Africains pourraient prendre exemple sur cela pour proposer un contenu qui leur soit propre, qui leur ressemble le plus. Le problème, c'est que justement, ces majors-là, c'est elles qui ont l'argent. Et c'est elles qui dictent ce qu'est aujourd'hui le cinéma à leur façon. Mais c'est là que justement le numérique nous aide. C'est qu'avec du numérique, on n'est pas obligé de passer par ces gens-là. On peut faire des cinémas qui vont d'abord intéresser les gens sur les réseaux sociaux. C'est très important ça. Et après, je répète, parce qu'on aura vu un cinéaste, parce qu'on aura vu un acteur, parce qu'on aura vu une actrice, parce qu'on aura vu quelqu'un qui a raconté, qui a écrit l'histoire, cette personne-là, on peut l'appeler. Après, les majors, pour lui dire, on a vu que ce que tu faisais était bon, ça intéresse ton peuple, donc ça nous intéresse aussi, parce qu'on a besoin de vendre quelque chose à ton peuple. C'est aussi simple que ça. Alors c'est vrai, je parle. Mais je ne vois pas aujourd'hui en état comment faire autrement. Je suis d'accord avec vous. Votre mot de fin ? Mon mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas que ce qui est organisé, et je vois bien les difficultés qu'a la présidente Sylvie Nouette pour pouvoir organiser cette chose immense, faire venir des gens du Rwanda, du Nigeria, de France comme moi, et d'autres encore, je vois bien la difficulté qu'elle peut avoir. Mais il nous appartient justement à nous, diaspora africaine, d'aider le plus possible à réaliser ce genre de choses. On veut le plus simple, c'est qu'il puisse y avoir encore beaucoup de festivals pour que beaucoup de gens puissent voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir le faire aussi. Je vous remercie. Vous dites faire quelques plans de mouvement. Oui.